Gros déblouse a éclaté en bas la ville là. Dans le moment, chef gang Ezekiel, Tito base pilote là, il était devant un juge là tap tandel. Eh bien, nèg village qui était au courant, yo débarqué en bas, sortant de là, yo tiré un policier et puis yo jwenn une chance pour yo aller avec un autre policier tout vivant. M'bral bo tout détail si là yo. Et faut me dire tout gen chef gang chien méchant. Tout ça fait mais en gros si qui sale banque dans pays d'Haïti. Banque ça mais si qui sale si là, c'est dans bloc on chap diriger qui lié, li te mandé ou bal on l'argent et puis responsable si qui sale la mal ba monsieur réponse sortant de ya banque ça li fermé dans moment m'a parle ensemble avec nous là. Et puis faut me dire nous tout mes chers amis et faux visa Panama li fait quelqu'un. Ça importe parce que moi j'ai grand pile haïtien dans moment capitaine dem là, gen là qui préparer papier pour quitter pays d'Haïti et bien grand pile haïtien qui joine déportation yo, leur arrivé Panama qui donc voyage là gâté dans mais parce que c'est pas Panama t'a livré mais on connaît l'opral Mexique faut un visa transit et bien yo pimpe retourner parce que visa transit qui nan mais yo a li pa bon. M'bral bon tout détail, m'bral parler en pile causer là mes chers amis, comment nous yé moi espère que nous en forme, moi espère que n'a kembe. Jodi a la bagala te vraiment mangomé dans zone en bas la ville là. Côté nèg 5 secondes yo c'est eux même qui tape, on capable di tape frapper. C'est eux même qui tape fait toller, nèg ça ou pa gen moun yo pè et sou ta remarqué gon moun, yo pa arrivé sou yo, ou pas besoin comprendre c'est moun lan trop fort. Non, c'est parce que gang yo pa vle qui fait yo pa arrivé sou n'importe moun ki ou vle dans pays d'Haïti. Nous connaissons très bien que Ezekiel Alexandre était joué à l'arrestation. Et Nexa, il est en prison jusqu'à date, mais nous connaissons. Toi, tu es obligé de passer devant un juge pour le juge d'être capable de questionner et lui-même pour te répondre à quelques questions parce que le juge a besoin de démoucher sur quelques points. Mais nous connaissons, il y a toujours caché l'argent. Mais quand t'as pour parole là, pas ni ça. Yo ka toujours cache ou manger, mais parole là de pour besoin, si t'as sous des tichèzes, y a beaucoup de à clé. Eh bien, nouvelle ça, li t'a pral rive dans village dédié. Iso 5 secondes, t'es passé chef li, on capable di soldat li yo l'ordre pour yo te envahi la ria. Pour yo t'al provoquer, on prend en tension en bas la ville là. Effectivement, nèg yo fait ça chef gang Iso te mande yo fait ya. Dans le moment Ezekiel Alexandre, juge d'Aptandel, nègyo ouvre coup de balle sur une patrouille, mes chers amis. Nègyo tire son policier. Heureusement pour nous, policier est blessé, le blessé et les guettant courir. On prend pour le rendre tête à l'hôpital. Mais il y a l'autre policier qui était accompagné policier ça. Bandit Iso 5 secondes, yo, prend policier ya, yo rentre ensemble avec lui en dans village dédié. Pour le moment, parle avec nous là. M'baka di nou, qui ça qui fait, m'baka di nou, qui traitement nèg yo bay policier en dedans, mais France LB. Monsieur certain que nouvelle ça, li déjà arrivé dans oreille ou, gen un policier qui était en bas la ville là, soldat Iso 5 secondes yo attaqué, yo prend policier ça, yo rentre avec li dans village dédié et gen une qui blessé en bas balle voyou yo dans moment juge attendait Ezekiel Alexandre. Est-ce que ça va ta bay raison là? Pour juge là lui-même pour ta serrer boulon chef gang là davantage suite avec ça qui passe là. En tout cas messieurs ballon en pied nous n'a dégagé n'a fait ça nous bon pendant parler des juges gros bagay qui monte dans tête moi parce qu'on est l'important pour me ta font parler de ça juste en parenthèse m'a fermer tout de suite attendez nous on pose question ça déclaration commissaire Jacques Guilafont en fait a li pas choqué ou pour moun qui pas de entendre déclaration Jacques Guilafont en fait a. C'est fait qu'on est, il y a deux chefs, deux moun li pè sou la terre bénie. Youn, c'est papa moun Dieu en haut dans ciel là, et l'autre là, moun ki est capable de dire li pè l'acheter figuri, premier ministre Ariel Henry. Yon commissaire gouvernement pour le rete non micro la presse, pour faire une telle déclaration comme ça. Qui sont espérés des mieux dans la question insécurité ça là ou pensez le tap jam kaba tandis que moun ki la pour faire loi moun ki la pour faire appliquer la loi moun ki la comme auxiliaire, même capable de dire comme bois faire ou bien comme bah comme dit moi là non, cap push justice là pour faire une déclaration comme ça. C'est ça que fait toujours dit. Jovenel Moïse, joindre justice pour lui, l'a style toujours dans tchouboum. Insécurité ça, gende nous obtenons des capacités dans la radio, ou obtenons ou la main dans le sac, ne ou pas jamais mettre action publique en mouvement contre vous. Ça est important. Est-ce que vous entendez? Bon, bon, quitter détail ça, puisque me te dit nous sommes parenthèses, me fait même tout de suite. Pas oublier non pas me dire BUH qui trouvait dans quoi des missions. Attendez bien ça m'a dit là. Eh bien, c'est qui ça le BUH qui était toujours ouvri porte li pour desservir population qui habitait dans quoi des missions, dans entourage, dans voisinage, quoi des missions. Par contre, c'est parce que chef gang chien méchant qui a géré zone ça, li estime qu'il y a un pile va-et-vient qui a fait en dans BUH, c'est-à-dire business là a marché très bien comme ça doit. Monsieur était vraiment des responsables si qui ça là bien même quand dit, il était vraiment des BUH on l'argent. Attendez bien oui, pour être capable toujours être fonctionner dans quoi des missions. Bien raison que fait banque ça BUH li fermé journée jodi a, c'est parce que chien méchant passer l'ordre pour banque l'enfermer. Sinon, depuis ces personnels qui a fonctionné en dans BUH, en pile malais capable revivre. Soit il a sous travail, ou bien dans moment il a travail bandit capable rentrer en débit sortant de ya, bal commencer faire Mikalaou, eh bien moun yo obligé fermer porte BUH qui dans quoi des missions parce que chien méchant chef gang nan, li te vraiment de moun yo on l'argent pour fonctionner. Responsable BUH là ou bien si qui sal qui nan quoi des missions hein, li te ba on était ba mission réponse et réponse là te rentré dans sentiment chien méchant, li pas d'accord avec réponse là et puis li t'a pas faire un service colère jusqu'à ce que li mandé li exiger pour responsable là fermer banque si là. Et déclaration ça faut me dire nous c'est en pile moun dans localité dans zone quoi des missions qui ba nous détail ici là et banque ça mes chers amis li fermé depuis dans mois décembre. Autant samedi là depuis dans mois décembre mouché a li passé l'autre pour fermer banque si là et jusqu'à journée jodi a banque là pour capable relouvrir pour bail et service avec moun était qu'on habitué de servir. Qui donc pays d'Haïti son pays qui est extrêmement difficile. Ou imaginons on chef gang et ça m'a dit nous en tout oui. Ou imaginons on nèg pour lui gain tout accès ça pour le fermer banque, ni c'est fermer quoi les missions l'élevler, li ouvrir l'élevler. Son chef de gang, on est qui gain zam illégal nan mel, tandis que l'autre part là dans but boyer, ou y a marqué vive chien méchant. Population but boyer, population classine, population comprendre quoi des missions. Tout le monde ça honnête apprend là l'autant de la police. Tas on tap font un mouvement levé camper pour être capable mettre mais pas de cassable. Voyou tout le monde va camper pour dire mais c'est son bon nèg. Son nèg que Jésus voyait sur la terre bénie. Son nèg son empreinte qui représente Saint-Esprit sur on dans quoi des missions dans bit boyer parce que sans lui-même ti machin pas d'abus. Et discours ça ou pas bon. Et discours ça pour que j'aime absuspend si voix me pacifie raison parce que tout autant c'est comme ça pour mon appareil judiciaire qui chargé avec moun non certifié moun qui pas éligible pour ta remplir fonction qui rempli dans appareil judiciaire qui la cause insécurité ça va le terrain est-ce qu'on comprend eh bien pas j'aime gain c'est parce que nous gon l'état nous gon justice qui fait moun yo obligé à prendre appui sur un devient de la société qui doit supposé shooter talonner pilonner tête li est-ce qu'on comprend mais on pas ka faire parce que c'est moun sa yo qui la cause y a respect c'est moun sa yo qui la cause yo capable gon ti une tranquillité d'esprit tandis que moun qui la cause y a c'est moun on prend qui gain pour on capable dire qui en affaire avec la justice mais qui justice c'est vous pas la compliquer l'autre détail l'autre information va me dire nous là gagné 8 haïtiens et pays Panama déporté yo repimpe yo dans pays d'Haïti raison en simple nous connaît dans moment ça par agence de voyage nous connaît nous et nous t'attendons de faire sport là tout concernant on agence de voyage bon nous connaît même et comme ça même depuis le bon la passé là attendez non nous connaît gagne question de Mexique malgré Joe Biden vient avec un programme humanitaire là 30 000 moun gain accès pour entrer chaque mois dans le pays États-Unis, ça va empêcher pour Haïtiens continuer à suivre review parce que on dit ça soit là pour 6 ans que Joe Biden a bagué en pile moun qui pas quoi malgré que moun commencer joindre autorisation pour entrer l'autre bois. Mais gain moun là pour aller Mexique, nous connaît faut gagner un visa dominicain et par la suite faut gagner un visa transit cap dire 30 jours visa ça, vous comprenez, pour pays Panama, de quoi l'arrivée Panama pour le faire transit pour le capable prendre avion pour la et Belize et de Belize pour le faire l'autre parcours dans bis pour arriver côté le rivière. Quand y a m'gonné est-ce que m'ba nous petit détail ça nous va prendre pour agence de voyage. Na dégager nous même dit m'ba agence de voyage, vous comprenez? Et bien qui ça passé? Dans le moment la grand pile demande pour question visa transit Panama, grand pile haïtien, nèg ça yo capable dire yo c'est voler maquillé, y a prendre n'importe 900 jusqu'à 1000 dollars US pour font aller rejoindre un visa transit Panama qui pas tout alors qui pas coûter tout comme ça. Les au fin ba ou mettez sous ça pour tout comme ça, visa pas bon. Moi même bon ka di nous qui gens pour ne pas prendre pour nous détecter faux visa Panama, m'a travailler sur ça. Mais yon moun qui présente un visa dominicain, dès pour obtenir un entrepreneur dans le moment ça, ou pas qu'à prendre un fake visa, on prend dominicain, c'est-à-dire faux visa dominicain. Pas oublier dans visa Saint-Domingue là, qui yo ba ou pour un an, et moun ka fait Mexique, yo utiliser visa ça en pile comme trajectoire. C'est un endroit pour passer par Saint-Domingue, prendre avion, descendre, on prend Panama pour faire transit, l'arrivée Panama. On prend, nous on va y pire passer. Pas venir expliquer là pour ne pas en venir tout tête dans commentaire, venir dire aider nous besoin quitter pays. Tant pis moins. Tendez bien. Mais ouais pour visa dominicain lui-même, li gon ti bagay là-dedans, on scanne. On peut aller sur téléphone ou sur smartphone, on peut aller download scanner sur on prend et puis sur Play Store ou même qui gagne et capable dire iPhone ou qui bon pour aller déjà. Et puis l'offre prend l'ouvre ouvrir application ou après on après caméra tout monter là dedans on image est-ce qu'on prend et puis on prend téléphone on fixe sur scanner qui n'a pas alors qui n'a et visa dominicain dès pour elle pas scanner pour bon on est pour le voir sous ministre et capable dire ministère relations externes pays Saint-Domingue ou prend un piquant qu'on là. Retendez ça me dit là parce qu'il est important pour moun qui veut quitter pays qui veut aller pour Mexique là, est-ce qu'on comprend? Ça important pour nous, t'allez n'attendez. Oh oui, c'est si c'est là n'a vinn dit nous besoin faire voir passer sur notre plateforme Haïti Media on. Monsieur Matin Débat. Bonjour Matin Débat, bonjour Louko, bonjour tout le monde qui est sur panel là et bonjour tout éditeur. C'est un plaisir pour moi. Québec. Qui ça ça dit on renvoie au correctionnel dossier Pasteur Amel Lafleur par le commissaire du gouvernement et monsieur maître Jacques Guilafont. Le deuxième coup d'appel, c'est la cassation. Bon, et qui j'aimerais même comprendre ça, c'est juste il y a l'autre façon encore pour que le gourou Amel Lafleur libéral triompher une fois de plus sur la société haïtienne qui toujours pour que j'aime capable de comprendre dangerosité, comportement avec parole que lui même gagne qui ça représente dans la société. Donc c'est le monsieur Vin fait ça exactement. James ou bien Chalman sont fait dans la société, c'est là ça y apparaît que comprendre qui dangerosité, qui niveau de dangerosité que les mêmes gagnent, là ça la protège. OK. Au correctionnel en principe, comment ça passe? Gon jugement, gon procès ça lieu. Bon, au correctionnel, c'est le tribunal correctionnel là que y a un dossier paraît devant le cabinet le tribunal correctionnel, donc bon juge et puis juge là les mêmes li tranché. Donc c'est pour ça que lié, mais nous-mêmes, nous avons pensé que un dossier qui est si complexe, une affaire si complexe, infraction sont infraction complexe, donc il n'est pas capable directement pour que le commissaire gouvernement ait décidé pour lui-même l'était voyer ça aller devant le tribunal correctionnel. Il était juste capable de voyer dossier ça, déférer dossier par devant et un juge d'instruction et juge d'instruction était capable après enquête. Capable de décider, soit la voyer dossier par devant et le tribunal correctionnel, soit par devant le tribunal criminel, et ça t'a capable de permettre pour que magistrat lui-même lui mène une enquête pour être capable de voir profondeur, problème, difficulté, et même ça t'est capable de arriver que gagner l'autre détail très important, l'autre infraction que peut-être il était capable de découvrir et que par la suite il était capable d'informer le commissaire du gouvernement ou encore peut-être même commissaire gouvernement était capable de faire sacrer les réquisitoires supplétifs côté que le demandait à juge là lui-même soit pour le ajouter, tendez l'autre monde, des choses de ce genre. Mais là que le dossier a directement, commissaire a juste décidé, il voyait le correctionnel. Donc nous déjà rendons nos comptes clairement que c'est un jouet extrêmement facile qui a joué là et qu'on n'a pas besoin de loupe pour capable déjà ouais qui décision qui va le jeune. Et d'autant plus au niveau du tribunal correctionnel le prévenu n'est pas obligé d'être présent. Okay. Il peut se faire représenter. Donc, normalement, déjà, comprendre, je vais être là très, très bien. Très probablement, à 90 ou 95% de chance. Donc, monsieur va paraître et lundi, le que supposé paraître devant le tribunal correctionnel, avocat capable toujours conseiller pour dire que moi-même m'a représenté. D'ailleurs, nous, les monsieur paraître, les peuples ont souri. Et ouais, que pas quatre monde dans l'église, l'autre, les fidèles, fanatiques, et les leaders, comment ils ont qu'un monsieur à droite et à gauche, c'est tellement le peur. Vous comprenez ça, monsieur? Voilà la réalité. Eh bien, ok. Ou c'est avocat, et donc client qui est victime de Pasteur Amel Lafleur, côté dossier ça est? À quel niveau? Dossier ça, actuellement, là, il trouvé par devant la cour de cassation. Okay. Et m'a rappelé pour l'auditoire, m'a rappelé pour tout le monde qui a écouté là-haut. Et après deuxième convocation, après deuxième rencontre qui était gagnée au niveau de la cour d'appel, après deuxième audition, hein, et lui-même, l'œil au vini, et puis bon, il a soulevé un paquet de points, comme quoi tu as gagné trois journalistes, qui était là, c'était de l'ivraie mélangé avec de bons grains. Et comme tu as trois journalistes en dedans, tu as trois parles en pile, les choses sont dehors, tu as trois parler en pile qui t'a fait. Donc, dans ce sens-là, ils ont demandé pour que la cour d'appel, ils ont retiré l'affaire là par devant la cour d'appel de Port-au-Prince pour voir par devant l'autre cour d'appel dans la République là. Donc, comme il y a 5 cours d'appel, donc ils ont retiré le devant l'autre cour d'appel. Donc, en gros, c'est ça qui est, mais comme nous connaissons que la Cour de cassation à l'époque, eh bien, elle était totalement dysfonctionnelle. Et donc, c'est une stratégie que l'avocat lit, avec toutes les mêmes utilisées, pour être capable de faire dossier à camper, parce que tu as trop de chaleur, il n'y a pas de sentir, tu es capable de camper plus de chaleur que ça, très probablement. Donc, ils font vide un petit de l'eau glacée sous barrage là, ils voient dans la Cour de cassation. Mais la victime et ses avocats, et en fait, yo même yo là et attend et moment arrivé pour que cour de cassation dit ça l'a dit s'il a toujours kembel devant la cour d'appel de Port-au-Prince ou bien s'il a voyé devant l'autre cour. Donc nous même nous toujours été là d'un pied ferme. Donc nous même n'attend et nous bien contents pile tout ça qui passait hein. Donc dossier a pas fini. Non, du tout pas, dossier à pas confiné, c'est en attente de décision cour de cassation. Et tant que j'en dis là, à l'époque, le cour de cassation était totalement dysfonctionnel. Donc, pour le moment, comme nous, Premier ministre, président, les nommés, de façon parler, un nouveau magistrat, un nouveau juge, que nous avons le respect pour lui. Donc, ma connais qui j'en sais passer, donc, de toute façon, nous-mêmes, nous étions là d'attendre. Merci en pile, maître Emmanuel Gentil, merci en pile. D'accord. Donc, le dossier du pasteur Amel Lafleur, donc il est pratiquement été ouvert. Donc, alors, le premier dossier. Émission Matin Débat. Donc, oui, le premier dossier. Également le deuxième dossier. Donc, en tout cas, est-ce qu'on est que ça a vu un pasteur Amel populaire? Alors, c'est toute l'étoile. On est dit oui. On croit qu'on avocat bien au monde dans l'église. Il y a des gens qui disent qu'il a fait monsieur faire des bagailles, comme s'il n'a pas attaqué monsieur, comme si Mdado, c'est faire monsieur, faire agissement ça. Mais maçon là je pas camper non. Excuse ça, il est maçon là je pas camper non. On n'est pas capable. Il pas campé. On va capable. Bon, par contre, pasteur. Qui ça le gars de pasteur? On allait. Nous allons. Également 64 avec Frisman. Frisman. Et son place à pouvoir démarrer. Nous en direct. Voilà. Pas de moniteur, nous en direct. Nous saluons tous les amis la pression. Et nous sommes très contents. Est-ce que tout le monde là, je dis, je réponds en grand nombre dans l'invitation de Point de Presse qui fait aujourd'hui. Premièrement, on a dit, sont mises au point que nous voulons faire, puisque après environ 2 mois, depuis que il y a des sanctions qui étaient prises par pays, États-Unis et Canada, contre moi-même personnellement. Et après sanctions sérieuses, nous avons dit que c'est des sanctions. D'ailleurs, que Pifo Moun est d'accord, c'est des sanctions politiques. Il est important pour nous faire une mise au point ça, je dis à 2 mois après date 4 novembre 2022. Nous avons dit premièrement à tout le monde qui attend de nous, que ce soit en direct ou bien par la presse qui est présente, que moi-même personnellement, moi victime déjà de sanctions SAIO en Nabéria. Côté en 2007, justement, au niveau des États-Unis, le territoire nous, on te dit qu'il y a une suspicion sur nous et il prend des décisions vis-à nous parce qu'il y a une suspicion. Et depuis le Sahel, on a entamé en bataille qui fait que 3 ans après, au niveau de Wikileaks, on dit ouais, c'est Fritz Meuse, on est quitté à Tapari pour Gonaïve là, qui est à côté prête, qui était à dénoncer l'ambassade américaine le 5 mai 2005, parce qu'elle va payer payer pour Gonaïve là, il me dit le payer. Et ça, bataille a été faite jusqu'à ce que mal devant le tribunal, jusqu'à ce que toute famille ait dit que ça monsieur était fait à pas bon, notamment devant le tribunal, il a gagné une bataille là. Et monsieur était présenté, excuse-lui, parce que il connaît ça le fait à pas bon, c'est pour le déclarer qu'à Paris pour qu'on arrive là, il faut nous rappeler en passant que pour ça actuellement l'État, puisque la bataille ça a fait cette fête là, c'était pour que l'État ait récupéré pour. Et là ça, nous venons arriver, nous voyons que pays comme les États-Unis ont réévalué justement les sanctions qui ont été prises contre nous. Eh bien, le 4 novembre 2022, nous venons trouver une situation où l'international vient annoncer encore sanctions contre nous. Nous venons par la presse, nous apprenons ça puisque nous n'avons jamais signifié nous aucune décision. Immédiatement que question ça est venue, nous te dit que c'est des sanctions politiques, puisque nous connaissons ça qui est arrivé déjà. Nous te entreprenons plusieurs actions. Actions que nous entreprenons, nous te écrit pays États-Unis, nous te écrit pays Canada, parce que nous te parlé de façon générale, pour nous demander qui ça que nous reprochons nous spécifiquement. À date, nous ne jamais répondre. Mais nous-mêmes, nous continuons à travailler. Et c'est notre travail, ça, qui fait que nous venons découvrir un document, nous venons découvrir un livre qui est écrit et en anglais, Zombie files, et en français, les dossiers zombies. Côté que, livre ça, ou a-t-il été fait pour sénateur Youri Latortue. De première page jusqu'à dernière page, c'est des accusations à n'en plus finir contre moi-même. Et là, nous avons regardé, mais les violents, ni en français, ni en anglais. Mais, arrêté sous question sanction, il a tout. Dossier, parce que nous toujours marché avec dossier. Là, j'aime parler sans parler de dossier. Nous croyons le livre là, qui sortit en 2019, avec, ça nous a dit, eh bien, décision qui vient aux États-Unis et au Canada. Ça nous est. La privée sur l'État. Ça nous est dans le livre là. Dans les autres livres là, sont un nom que nous avons, Max Gill. Max Gill. Ça c'est très important, mais on va le livrer, c'est le maman dossier. Eh bien, ça nous voit dans le livre ça. En 2019, que le livre là sorti, il dit, le livre là accusé, il dit que Youri Latortue a fait droit avec le pays Colombie. C'est ça qu'il dit dans le livre là. Dans chapitre 9, pages 147 et 148. C'est ça qu'il dit dans le livre là. Eh bien, notre sanction est au 4 novembre 2022. Je dis dans la décision que m'a fait droit avec le pays Colombie. C'est le premier bagage. Deuxième bagage. Je dis dans le livre là, dans le chapitre 10, page 159, 164, 165, 170, 167, 168, que m'a trafiqué les armes avec l'Afrique du Sud. Yo dit dans ce sanction que moi-même tout m'a fait trafiquer les armes avec pays étrangers. Et dans le livre là, dans les mains, peut-être, nous voyons comment Nexa qui écrit le livre ça, pour communiquer son nom. Comment il définit, il dit m'a fait trafic d'armes avec pays l'Afrique du Sud, nous devons compter des armes qui étaient arrivées dans la douane de Port-au-Prince. Pour qui ça pas des conteneurs parce que pas de courant, n'est qui t'a supervisé conteneur comme pas de courant, il va superviser, il devrait aller comme ça. C'est pour montrer comment Maxwell, mec, je dis qu'il écrit le livre ça, c'est on peut remonter puisque dans le livre ça pas rien d'académique ni de prouvé. Troisième, ça le dit dans le livre là. Je dis me faire participer dans la violence. Je dis, moi j'ai distribué des armes en 2009 dans le livre là avec René Monplaisir. Tout le monde déconnaît que moi j'étais en opposition avec Edith Abridal. Il n'y a aucun rapport avec moi-même et René Monplaisir. Je dis dans le livre là, j'ai distribué des armes. Dans le chapitre 11, pages 169 et 175, dans le chapitre 12, pages 189 et 191. Alors que, je dis, dans la décision sanctionnelle, que moi-même, je fais violence également, non, avec bandits, un quartier populaire. Donc, nous voyons exactement ça qui dit dans le livre-là, je viens reprendre dans la décision sanctionnelle. À continuer. L'Israël est écrit par Max Kiel. Regardez non, Noé, M-A-X-K-I-L. Non, ça, après, ça lui dit, ce officier qui travaille aux Nations Unies en Haïti. Bon, dans le livre, ça, à la fin. Ah oui, je dis ce officier qui travaille aux Nations Unies, en décembre, pour écrire Nations Unies. Je dis, Nations Unies, mais il y a un officier qui dit la travail à la caillou, qui écrit sur nous, qui fait diffamation, nous t'arrêtons ou même pour identifier. Jusqu'à date, pas de réponse. Nous sommes obligés, l'un ou l'autre, pas de réponse, parce que nous ne sommes pas capables là, son dossier politique. Nous sommes obligés d'envoyer une équipe juridique en Haïti et aux États-Unis. L'équipe juridique, ça permet de nous découvrir. Vrai monde qui écrit les là. Monde qui écrit les là, tirez-les Bern Rapner. R, B-E-R-N-E-T. Rapner, G-R-A-P-N-E-R. En effet, monsieur, c'est un officier qui travaille aux Nations Unies en Haïti, son autrichien, qui travaille de 2005 à 2015 et qui était, d'après ça, dit, travaille dans des dossiers en bas, des dossiers informels. Monsieur était quitté, monsieur a été à Haïti en 2005, et quitté en 2015, et actuellement, monsieur travaille en Afrique. Et ça nous dit, ouais, c'est que Ben Grabner, il fait toute bagaille pour les roubons en pile dans l'investigation. Un dossier pour découvrir, comme ça. J'aime pas le dire, là, pas même pour que les Nations Unies connaissent ce monsieur qui écrit le livre-là. D'ailleurs, dans le livre, il a accusé les Nations Unies tout. Il dit les Nations Unies pour transporter de drogue dans la machine. Eh bien, ça, monsieur fait dans le livre-là. Nous connaissons, là, on livre avec lui de façon académique, on rapport avec lui de façon académique, moi, je fais plusieurs rapports, on est obligé d'identifier. Eh bien, dans le livre, ça, il y a des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition. Lui-même qui fait propre livre, lui publie. Il y a également enregistrement droit d'auteur. Il dit par des compagnies d'édition. Bon livre là, ça nous est là. Il n'a aucun rapport avec le livre là. Donc voilà, dans tout le monde qui est venu, c'est un ensemble d'informations qui permettent ou lier avec le livre. Il met que M. Métria, il va marcher. Et on va jeune en photo de lui. Dans lesquels avec moi, on va accuser des mondes, on va identifier, on va des photos, on va. Donc ça veut dire que Monsieur connaît ces petits haïtiens, oui, et que nous pas joindre ni, monsieur, eh bien, écrivez là, pour que les mettez sur tout le réseau Amazon, la vendent alors que toutes salles journalistes là sont traques internationales. Mais, nous allons regarder beaucoup plus. Et c'est bon, puisque la nouvelle à la Fouriezo, à Kalalou, nous voyons que Paul Gabner, qui écrit sur corruption dans les années 2015, 2016, 2017, monsieur n'a pas parlé du tout de Petro-Caribé, de ce qu'il a fait, combien de monde prend la route, n'a pas parlé de Petro-Caribé, monsieur n'a pas parlé de Petro-Caribé, monsieur n'a pas parlé de Dermanon, monsieur n'a pas parlé de Sophie Daou. Monsieur va parler de franchise pour rapport que le Sénat a fait, que nous qui fait. Monsieur va parler de contrebande. Monsieur va parler de questions passeport. Monsieur va parler de ONG. Pendant tout ça, il y a 10 rapports qui fait dans le Sénat qui a dénoncé pour le Gabonais, donc moi-même principalement. Monsieur va parler de aucun dossier ça. Et puis il a fouillé dans la nous. Et là, dans le livre là, allez, toujours. La page 321, 324, ben nous avons dit, mais qui est-ce qui était président d'Haïti? Mais qui est-ce son ancien premier ministre? Je vais citer non, c'est monsieur qui est président d'Haïti qui a fait le meilleur, et c'est un homme qui pourrait dire lapidateur, formidable. Et c'est le ça. Et c'est le ça. Enquête non, à continuer. Et c'est le ça, nous vivons, ouais. C'est l'heure, nous vivons à Jovenel. Et en février 2019, c'est qu'on dissout, nous changez. Si c'est dit mon opposition, c'est au pouvoir. C'est eux qui viennent bandit. Et c'est le ça, nous te remettre, parce que le livre là se ferme, nous te remettre rapport ça, contre toute l'équipe de l'opposition, dont moi-même, personnellement, qui était, eh bien, qui défait avec nos arrivées, et nous songer. Rapport ça sont faux, puisque nous connaissons exactement de ça. C'est le président qui définit, eh bien, et Amel, pour que nous devinions, puis on fait de la bougie, mais en même temps, nous font dossier. Oui, je dis dans le livre là, allez bien, je dis dans le livre là, que il travaille en collaboration avec l'ambassade américaine et c'est là le bail dossier. Je dis qu'on met tort dans l'ambassade là. Je dis que tout ça le fait, il fait en collaboration avec l'international. C'est qu'on y a nous une découvrir comment officier Nations Unies ça, ils entendent avec gouvernement, contre opposition et secteur mafieux qui est dans Petro-Caribé. Du lapidateur qui est dans le de la rivière. Et c'est dossier ça qui montait depuis 2019 contre l'opposition et contre le monde qui t'a dit vérité, ils ont fait caractère assassination. Ça veut dire que pas qu'à jouer, vous voulez détruire caractère. Et pas oublier que même monde qui devient côté même d'avec le Petro-Caribé, il te dit il y a tout avantage pour me battre maintenant. Dans Petro-Caribé, il y a des menaces. Justement, c'est nous que Ben Gabner dit qu'il doit être président d'Haïti parce que c'est mon petit crime dans le pays. Et nous disons tout parce que nous ne pouvons pas trouver des ennemis. Nations Unies, pas qu'on est, c'est nous. Écrit Nations Unies, on nous dit, nous écrit Bureau Affaires Légales qui est à New York, on nous dit que même qui écrit livre ça, parce que dans le même livre là tout, les critiquer Nations Unies. Et actuellement, la travail pour Nations Unies en Afrique. Parce qu'il était retourné travail de 2019 à 2021 en Haïti. Et qu'on y a en Afrique, la travail pour les Nations Unies. Donc nous-mêmes qui sommes les Nations Unies, pas tout à fait travail là. Nous voyons le monde, nous écrit bureau affaires légales à New York pour nous dire, mais ça on employé à faire. Et moi je dis non, ils sont nous-mêmes qui dans l'être là, fort de toute cette partie là. Nous venons comprendre comment le gouvernement haïtien, secteur mafieux et tout caribéen, avec officier ça et peut-être l'autre, c'est à monter dossier ce monde pour que le déca détruise l'opposition. Donc moi-même, j'ai écrit 10 rapports qui éclairent le monde dans les Caraïbes et 1 million de monde qui est dans la rue qui a la corruption. Fort de tout cela, nous sommes des alliés. Nous écrit affaires légales, bureau affaires légales, pour nous dire que je dis, nous demandons au bureau des Nations Unies font confrontation entre nous-mêmes et même d'après. Parce que c'est l'écrit sous nous, je dis, nous besoin. D'ailleurs, de quel côté nous sommes en Afrique, nous faisons des marches. On était allé à l'aile, on était calme, confronté. Il n'est pas appelé à faire confrontation. Nous voulons faire confrontation parce que ça, monsieur écrit sur nous, il écrit sur tout réseau, il écrit dans le livre, il écrit dans l'ambassade, pour que il détruise justement la personnalité et nous demander bio affaires légales là pour faire confrontation. Sinon, justement, pour que nous retirions le livre de circulation, nous avons évoqué pour que nous-mêmes nous poursuivre devant la justice comme ces employés Nations Unies de l'IE. Demandez, tout pays, États-Unis, Canada, qui était servi à rapport à eux, pour que nous réévaluions la question. Parce que je dis, la bataille là, ce n'est pas étranger comme tel contre nous. Tout le monde en deux pays ça. Bon, voilà, donc ça c'est. Et pratiquement donc l'interview presque dans toute en fait le point de presse presque dans toute son intégralité donc du sénateur Youri Latortue. On voit que lui justement donc vous prenez tout ça que nous dit ça c'est live que nous live, yeah. Live donc okay. Point de presse ça continue là ouais, lui, non, ça c'est fini oui ça c'est fini yeah. Ok bon et maintenant la Bretagne pour nous songeons émission Matin Débat. Nous te parlons de livre ça, Zombie files. Nous c'est première émission. Première émission, yeah. Dans le pays, tu parlé de livre ça, qui te parlé de livre Zombie files. Qui t'a invité mon à regarder livre ça. C'était justement en 2019. Est-ce que nous avons ça? Et là-dedans, justement, tu as un paquet d'accusations qui fait sur le sénateur Youri Latortue. Et nous te parlé de ça ici, donc une émission Matin Débat. Maintenant, il n'y a que d'attendre. Et là, je pense que l'équipe des avocats du sénateur Latortue, ils font travail. Non, les équipe sérieuse qui remontait à mon niveau là. Qui remontait à mon niveau là, côté lié, et puis qui tentait et rejoignait. Et ça va le mettre Nations Unies dans ses petits souliers. Parce que quand même, ils sont employés des Nations Unies. Ils demandaient pour faire confrontation avec Mounan. Également, recommandé pour tout pays, côté M. Tevo et Livla, pour capable tirer non et sous les monde que sanctionné. Maintenant, nous prétendons pour nous permettre à toutes. Est-ce que là, jusqu'à présent, vous pensez que ça a en fait, metté le sénateur Latortue dehors? Mais est-ce que ça a pas bon facile? Moi-même, je l'ai dit, jusqu'à présent, le sénateur Latortue a bien travaillé. Eh bien. Par contre, ça le bras le bail. Mais jusqu'à présent, parce que maintenant, l'enquête dans le niveau, ça n'est pas facile. Il n'est pas facile. Donc, ça, son bataille là, Jean-Louis. Ah, le cabinet d'avocats en Haïti, le cabinet d'avocats aux États-Unis. Faut qu'on compte le monde. On a une question d'affaires. Faut qu'on compte. Ah, non. Faut qu'on soit civilisé, faut qu'on ait au compte monde, faut qu'on ait quoi. Non, c'est de gros révélations faites matin, mesdames et messieurs. Alors, c'est de gros révélations parce que livre ça, Zombie Files. Baba nous dit ici en Matin Débat, l'un des parler de livre là. T'es étonnant, pile, t'es dit oh, que tout bail ça sur monde dans pays là. Ah le gauche. Les politiques sont jetées. Alors ça crivé du coup. Ça, c'est point de vue Youri Latortue qui estimait qui victime alors qui croit que c'est des livres là les États-Unis et le Canada Alors, Chita pour yo, sanction. Mais le Canada et les États-Unis n'ont pas dit c'est sous le livre là. Yo, pourquoi dit? Ah oui, c'est très important. Ça, c'est l'équipe Youri Latortue à Youri Latortue qui estimait. Là, on fait comparaison entre ça qui est écrit dans le livre là et sous ça, yo basé pour yo prendre sanction. Ça, yo dit reprocher yo, yo dit, eh bien, il laissé sous le livre là. Mais États-Unis à Canada pas dit c'est sous le livre là, c'est à partir de livre là, c'est à bien légèreté. C'est à bien légèreté. Pour t'apprendre sanction, voilà, c'est à bien légèreté pour t'apprendre sanction pour continuer.